Bon, bah du coup, personne que tu es là, je ferai un live pendant 1 heure parce que bon, il y a Doctor qui respecte et il faut pas. Il faut le respecter, c'est quand même le duo du stream, il faut pas déconner avec lui. Il fait un Non, grand retour incroyable. c'est moi le dieu du stream. Hein? Quoi? Tu disais? Rien. Je suis sûr que t'as dit une connerie. Pas du tout. Je te raconte la fois où j'ai tué une vache à main nue. Vas-y. C'est une fois, genre je rentrais chez moi, j'étais à pied. Bon, j'étais en fin de soirée, hein, du coup, j'étais un peu arrivé. Et là, il y a une vache qui me regarde. Donc, après, juste Gédux avant de 1 me rentrer dans mon suit. village. Wesh Charlotte. Yeah! Yes. Enfin T'as fait déjà. le bon choix, mon pote. Bien joué. Merci, Gédux. Ami. Et donc, je disais, je rentrais de chez moi. Et puis, avant de rentrer dans mon village, il y a un pré avec des vaches. Ouais. Puis là, je sais pas pourquoi elle dormait là. Du coup, il y en a une qui arrive près du grillage et qui vient me regarder. Je fais, qu'est-ce que tu veux, quoi? Elle m'a répondu me. Mec, personne me dit me à moi, on est. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait baisse les yeux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit me. Mec, elle insiste. Ah ouais, j'imagine. Donc Alors, après, j'ai fait recule, recule. je te coupe un instant, c'est parce que il y a Gédux qui a dit ouais, j'ai vu, ça fait j'ai refresh au moins 10 fois. Ah oui, bon, c'est un peu la galère. Et là, je lui dis baisse les yeux. This Elle me répond, mec, La qu'est-ce que je vache. pouvais faire, mis à part rentrer dans le pré pour commencer à m'expliquer avec elle? Rien. Ouais. Je rentre dans le pré. Sérieux? T'es sérieux? T'es sérieuse? Tu me dis me. Genre comme ça. Elle me fait me. Non, mais. Et là, qu'est-ce que je lui fais? Je la chope par les cornes et je lui fais, maintenant tu te calmes. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit. Et puis là, je me suis plus senti et je lui ai arraché la tête avec les mains. Apparemment, Attends, attendez. Twitch. Regarde les clefs! On les entend pas. Faites un clip sur ça. Ce sera ton son de donation. Regarde Parce que c'était pas. Oh! J'ai Dux qui me donne 6 euros, ça fait plaisir à la famille. Tiens, c'est cadeau. Les Merci, gars. tu me rembourses l'achat que j'ai fait sur un jeu de golf sur King Queen. Putain de merde. Bon, ça fait plaisir. Pas dire ça, tu dis juste merci. Bon, ça Merci, fait. j'ai vu que c'est Ça. sympa d'enrichir Hugo. Merci, ça fait plaisir. Eh, c'est ouf, à quel point que je lance à peine un live, j'ai un don, quoi. Non, mais Hugo, ça c'est parce que t'es drôle, spontané et talentueux. Merci. Et j'ai dû l'a remarqué directement en regardant à travers tes lunettes. Bon, aussi, c'est un ami à moi, mais bon. Ah, c'est autre chose. Mec, au pire, ah, si c'est ton ami, si c'est ton. Ton ami. Nani. Les villes, les Japonais qui sont tous achetés. Ah non, c'est moi le bleu? Oui, c'est toi le bleu. Ah, bah, merci de me prévenir, les mecs, c'est cool. Je suis daltonien, les gars, donc c'est un peu dur. Ah, ce qui est Il pas se fait mal, ça. bâcher. L'île du plaisir. J'allais dire l'île du plaisir et j'ai bugué. L'île L'île du bi. Voilà, là, on va faire des screens sur ma gueule maintenant. Bonjour. Oh les mecs. Voilà. Moi je pense. Alors c'est qui est Bonjour. revenu? Ah, c'est Charles. Bonjour. Ce n'est pas celui qui joue avec nous. Charles, à partir de maintenant, tu t'appelles Gédux. Fais semblant que tu joues. Ah! Waouh! Big Man, t'es trop fort! C'est une arnaque! OMG, Tommy qui tombe sur ta casse, Big Man, oh là là! La richesse! OMG, Hugo, les petits drapeaux! Oh! Big Man, oh là là! La casse, Non, pas c'était trop cher, oh là là! Sydney! Oh! On compte que c'était de la merde! Oh, Tommy, le double! Oh la carte chance! Non, Sydney, non. Oh, Mets-moi Modo que je puisse le bad du chat, STP. Mets-moi Modo que je puisse le bad du chat. Ben alors, Tommy, on est au RSA? Alors, Tommy, on installe les clims pour survivre? Je t'emmerde. Prends.
Il est perdu. Tout va bien pour le joueur Lama. Je vous pèse. Ouais, Sydney, t'as pas assez. Et c'est la faillite pour le joueur. Yes. Ça, j'ai vraiment. Il a fait faillite avant moi. Non mais mec, là, alors c'est moi qui ai la pire partie là. Mec, je te perdrai. Yeah. Putain, j'ai fait une danse de victoire. Yo, très bien le stream. Charles, putain. je commence à lire tout doucement, je fais. C'est qui lui? Je le connais normalement. Alors attends, je vais le ban. Oh, oh non. Vas-y, c'est un jeu de merde. Alors le joueur rouge, le joueur ah ouais, rouge. Il refait un double, c'est incroyable, la carte chance, le 10 qui tombe. Il peut directement choisir les championnats du monde qu'il met sur Osaka. Osaka, carte qui fait très mal si on tombe dessus à 3 millions 4. Et oh bah zut alors. Ah bah zut, le commentateur va mourir. Ah non, mais j'ai décidé de commenter la partie comme un joueur de comme un commentateur de alors, comme un joueur de foot. Et c'est incroyable, je suis en train de faire des dribbles. Il va à Londres, il empêche le futur monopole du go en achetant un drapeau. Ah, drapeau que je rappelle qui coûte environ 36 000 $. 220 000 $ le drapeau, c'est un très joli drapeau. Le joueur jaune. Ouais, il m'a bandé. Il a fait... Je crois qu'il a pas capté. De quoi? Je l'ai mis dans ma tête. Allô? Oui, allô? Bande de bâtard. Vas-y, commente le commentateur. Donc, c'est au tour du joueur rose qui va se faire enculer sa mère, peu importe ce qu'il fait. Voilà, il tombe sur Paris, il est obligé de déclarer faillite. Et c'est la perte d'un très grand joueur. Hein. Le joueur jaune qui gagne 300 000 pour un père 165, ça fait un calcul très facile de tête. Vas-y, fais-le, calcul alors. Non! Je suis commentateur, pas calculateur. 135 000, connard. Ouais, et il en a gagné ou perdu sans doute? Le commentateur qui joue avec les calculateurs. Ah, tu sais pas lequel c'est. Charles, t'as pas une blague raciste? On s'ennuie. Tu sais, alors... Le gros casse-couille, t'as pas une blague méchante? C'est un arabe. Non, c'est moi, bon, c'est incroyable. Boum! Et c'est la victoire d'Hugo par les Balnéo. Voilà. Les Balnéo. Balnéo. Je tiens à dire GG à mon adversaire. Il avait bien résisté. Alors que c'est quand même sa première partie. Et qu'il a pu... Moi je dis son adversaire c'était quand même un gros fils de pute. Patrick, comment t'as su le Jaydux? Il a fait un nom. Putain. Tu vois pas là, mais je te fais un gros doigt. Donc il décide d'acheter le bidonville de Séville. Ah, oh, c'est dans mon adversaire tout de suite, les gars. Mais là, Lama, il a même pas commencé la partie, il se fait voler déjà l'argent. Je suis toujours pas top donateur, Sniff. Bah, je vais... Mon cher Jeduc, t'inquiète pas. Ah, regarde, ça rafraîchit. T'as vu, mon petit Jeduc? Regarde. C'est un drapeau. Est-ce que tu es content? J'ai lancé juste le logiciel pour voir mes notifications. Sauf qu'il était parti à ce moment-là. Mec, moi, j'ai pas dans l'optique de gagner, j'ai dans l'optique de... Ah, regarde, Venise, ils ont des spaghettis, si tu veux. Maintenant, ce sera des pizzas. On dirait que il m'achète ma vie. Arrête, je voulais plus avoir d'argent. Arrête, je voulais plus avoir d'argent. Arrête, je voulais mourir. Le joueur jaune qui, on le rappelle, a une vie sexuelle totalement pas épanouie. Avec son chien. Le joueur bleu qui fait des trucs. Une sorte de merde. Achetez, c'est à moi maintenant. Hey, c'est vil. Améliorez, c'est à moi maintenant, j'ai 3000 balles. Il a 3000 balles. Le joueur bleu qui se ruine pour acheter des bidonvilles. Le joueur bleu qui tente un parcours de combattant qui n'a pas d'argent, donc qui va te rejouer très vite et tomber sur la carte chance, on l'espère. Ou sur Las Vegas, nique ta mère. Ou sur Las Vegas, nique ta mère. Alors, qui décide de faire le tour du monde à pied. Alors qu'il est à l'aéroport, mais quel con. Et en plus, c'est à 2 mètres, quoi. Et c'est un 4 pour notre très cher pute. Je vous baise.
Je ne paierai pas. Sérieux, mec? Il a fait faillite tout de suite. Plaisir. Oh, putain, chance. Ah! Arrête de gueuler. Le colo. Le tour de notre joueur. Ouh, avec la carte double. Ah, Paris qui va sur Paris x2. 1 million, ça coûte cher. Hein, ça coûte ah, cher. Tu me refais un peu là. Et merci à mon dieu de nous avoir suivis. Oh non! Me vend pas une vie. Je pense qu'il a plus de chances de gagner. Oui. Oh putain. Un deuxième monopole pour le joueur rose. C'est un coup dur pour notre très cher joueur vert. Putain, Denis. C'est la victoire. Attends. Ouais, pas non, mais là, comme... c'est. Et je pense que c'est la victoire de notre très cher joueur. Est-ce que t'as acheté pour un drapeau à 500 000? Bah oui! La victoire de Charles, on dit magnifique OPD, bravo! Voilà. Et une participation d'Hugo qui était. Fair play. Magnifique. Fair play, en tout cas. Eh, on va clipper la défaite. Ah non, attendez, ouais, non! Ah, si, pour clipper! Putain, c'est la chance du débutant! Non, je suis pas comme Trix, je suis quelqu'un de fair play, je te dis tout simplement que. C'est les débutants. Tu commences le jeu, je peux comprendre. Ok, nous on y va, on va promener des chiens. Balade de Trix dans la rue. Je vais te niquer tes grands morts. Donc c'est la fin, merci d'avoir suivi ce live, même si on était quand même 4-6, c'était un bon score pour moi. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. Et sur ce, passez une bonne soirée. Le commentateur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette partie de Business Tour qui était magnifique. Magnifique, des rebondissements, des trucs. Mais vous pouvez la revoir en replay dès que ce live sera terminé. On remercie la participation d'Hugo. Oui, c'est et vrai. De Charles, et de Lama. Et aussi de Jaydux qui était la première partie et qui a fait un play quand même monstrueux, on peut le dire. Ouais, il a pas gagné, mais au moins il a essayé de gérer, ça va. Je vous dis au revoir et à bientôt. Allez, sur ce, des bisous et à un prochain live. Allez, bisous. Sel.